que tu sois à la banque ou vers une grand-mère ou vers moi ou vers toi ou vers n'importe qui, quoi. Si t'as un tatouage sur le visage, quoi. Même s'il y a marqué amour, tu vois. Ça hyper agressif. Tu montres ça, c'est une intimité de ouf en fait. Il a un truc tatoué sur la gueule, quoi. C'est un choix en fait, tu vois. C'est un choix. C'est que d'art. Ouais, c'est une question d'art, mon gars. C'est art maintenant. Ma grand-mère, elle a vu ça la première fois, elle a rien compris, gros. Elle arrive du Sénégal, elle connaît rien. Même lire, c'est chaud pour elle, tu vois, elle va avoir un truc sur ma gueule. C'était un peu compliqué, mais après, frère, les gens, ils s'y font, hein, tu vois ce que je veux dire. Non, je me suis levé un matin, j'ai dit, je vais le faire. J'y ai même pas pensé 2 jours avant, 1 jour avant. Je l'ai fait. Bah, y a des réflexions en fait. Moi, ce que j'aime bien faire la plupart du temps, surtout sur les tatouages sur le visage, c'est la réflexion directe que peuvent avoir les gens. Parce qu'il faut pas se mentir, si on se tatoue sur le visage, c'est principalement pour que les gens nous regardent et nous voient à travers ce qu'on représente. Moi, souvent, c'est de la typographie, donc y a l'aspect visuel, il y a ce qu'il y a écrit, et puis il y a ce que ça sous-entend aussi. Comme celui que j'ai là, en fait, il a un double sens. C'est écrit cerebrum, donc cerveau en anglais. Mais le nom scientifique. Et de l'autre côté, en fait, si tu le lis en miroir, il y a marqué murderer, donc assassiné. Les gens, ils se détruisent. On est dans la période de la destruction. La France, elle a du mal un peu avec le style, avoir du style. C'est avec des gens stylés, même si Paris, c'est la capitale de la mode. Le style du tatouage, moi, que je trouve lourd de ouf, ils sont pas encore prêts, je pense, pas mal. C'est pas un pays qui sera super ouvert à ça. On restera une niche, et c'est très bien comme ça. Alors, chaque fois qu'on me demande, je dis non, le fais pas. Alors, c'est pas un... Je pense pas que ce soit un truc à faire à la légère, parce que tout le monde ne sait pas vraiment qui il est. On se cherche tous pendant des années. T'es pas à l'abri de, dans 2 ans, plus du tout qui fait ça. Et je trouve aucun esthétisme dans mes face-tats. Genre, y a pas de... Je trouve pas ça joli. Genre, je trouve que c'est là, c'est tout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense que quand t'as un recul avec la critique des gens, c'est là que tu peux en fait vraiment accepter qui tu es et faire vraiment tout ce que tu as envie, quitte à aller dans la direction opposée de ce que les gens pensent de toi. Là, mes conditions chinoises, c'est la reconnaissance. Tu vois, vu que c'est quelque chose d'important dans la vie, je trouve. De savoir d'où l'on vient, à qui on doit quoi, tu vois. Ça, là, mes croix, là, c'est... Bah, toi, je disais là, là, et là. Ça, en vrai, tout le temps, on me demande et j'ai pas envie de le dire. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont deviné. Ouais, il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de le faire sans conviction particulière, parce qu'au final, qu'est-ce que ça change, de toute façon, que t'aies des tatouages sur ta gueule si tu fais ton taf bien, tu vois. Je me suis tatoué le visage parce que voilà, je fais du son et que ça commence à devenir un peu sérieux. L'univers, en gros, je crois beaucoup en l'univers en fait, au fait que c'est toi qui crées ta réalité. Je sais que ça va me fermer des portes parce que voilà, je pourrais pas bosser dans des bureaux ou des choses comme ça, mais ça va m'en ouvrir d'autres. Donc au final, toujours croire en l'univers, en ce qu'il a prévu pour toi. Depuis que je me suis tatoué, je me sens grave moi en fait. Quand elle a fini, elle m'a dit « va te regarder dans le miroir ». Et quand je me suis regardée, franchement, c'est marrant de dire ça aujourd'hui, mais j'avais vraiment l'impression de me voir un peu complète. Comment j'ai pu attendre autant de temps pour faire ça? Bah même Lil Skies, il le disait dans des sons, tu vois. Il disait, ouais, I got tattoos on my face, I use that shit as motivation, you know. Parce que c'est vraiment
t'es cuit une fois que t'en as sur la gueule, tu vois. Moi, je connais des gens qu'on en fait sur le visage, mais qui ont pas de trucs précis à faire, etc. Je disais, vas-y, va dans la mode, fais un quetru, tu vois. Si t'as des tatouages sur le visage, avoir déjà fait un certain travail sur toi, ou le regard des gens t'importe déjà plus, tu vois. Parce que sinon, tu peux vite entrer dans un truc, il y a des gens, ils sont un peu fragiles mentalement, tu vois. Fait le serpent qui était le dernier, bon à chaque fois je dis ça mais il y en a toujours d'autres. J'ai quand même envie qu'on me reconnaisse et pas avoir des trucs plantés sur le visage, même pour ma mère, limite tu vois. Déjà je vois la personne ce qu'il veut comme, ce qu'il veut comme dessin, je parle avec lui pour savoir c'est quoi son projet. Après bon je vais pas, je tatouerai pas un petit 18 ans quoi sur le visage. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. On se tatoue pour soi à la base, et que moi je suis tatoué entièrement de la presque tête aux pieds, mais j'ai envie de pouvoir le cacher, j'ai envie que ça soit très personnel. Dans le rap, clairement, se tatouer la gueule, c'est arrivé il y a quoi, il y a 2 ans, et qu'aujourd'hui, c'est presque une façon de percer, en fait, de se tatouer le visage. Tu peux te tatouer le visage et dire « je me tatoue le visage, du coup, je suis obligé de réussir ». Mais ça, c'est hyper rétrograde de dire un truc comme ça. Parce qu'en fait, tu réfléchis pas si tu le fais. Enfin, tu réfléchis après, en fait. Je critique personne, hein. Mais des rappeurs de 17 piges qui ont rien sur le corps et qui se font tatouer ça. Enfin, moi, j'ai 30 ans, je fais ça depuis que j'ai 17 ans, donc t'imagines bien que ça fait quand même pas mal de temps que je me tatoue et je l'ai pas fait, c'est pas les premiers que j'ai fait, j'ai eu quand même pas mal de réflexions et à savoir si vraiment en tant qu'adulte je peux assumer ça. C'est le truc que tu fais en dernier quoi, tu commences pas par la tête, c'est hors de question que le gars il a aucun tatouage, on lui pète le coup direct tu vois, c'est un suicide social au final quoi. Je pense que maintenant les jeunes qui se font tatouer le visage ils réfléchissent pas aux conséquences tu vois. Ils se disent c'est cool, t'inquiète, machin, mais non, ça va pas me fermer de porte, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire du rap, je vais être artiste. J'ai un pote, il m'a demandé une croix là, entre les yeux, tu vois. J'étais alors, mec, t'es cinglé. Putain, j'ai tatoué le visage d'un gars de 20 ans aujourd'hui. Franchement, moi, j'arriverais pas à dormir avec, tu vois, t'imagines, t'as pris sa vie, quoi, c'est fini. Le gars, il va aller au lycée demain ou je sais pas quoi, dans son école, et je sais pas ce qu'il fout, tu vois, mais c'est fini, il trouvera jamais de taf, c'est mort, quoi. C'est des jobs un peu plus freelance, un peu plus cool, c'est des mecs qui travaillent chez Yard. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même ambiance quoi. Ouais. Et moi franchement, je prends mon Instagram, je regarde le feed, et franchement je vois que des rappeurs avec là les tatouages sur la tête, et c'est... Tu vois que ça toute la journée, au final tu te dis vas-y, bah pour être cool, il faut que j'ai un tatouage sur la tête. Ces gars-là, tu vois, ils se rendent pas compte, ils ont 20 ans, ils ont la tête flinguée, et... Ouais, dans 10 ans, 15 ans, je pense qu'ils vont regretter amèrement, tu vois. No regret, manek. No regret. Mon gars, aucun regret. Là, c'est un choix. Ton choix, si tu l'assumes, tu l'assumes pas, sinon, voilà. Mais no regret. Moi, je regretterai jamais mon choix. Enfin, il n'y a pas de place pour les regrets. La vie, elle est trop courte. En vrai, du coup, faut faire ce que t'as à faire à fond. Faut pas avoir de plan B. Si, ma mère, ouais. Que je lui disais jamais quand je me faisais tatouer le visage, en fait, du coup je rentrais comme ça et vous voyez. Et au début c'était dur, mais maintenant ça passe. Non, bah après ils sont habitués, ils me voient un peu comme un gueux, mes darons, mais ils me kiffent. Et du coup, parce que je reste droit dans la vie malgré que j'ai une apparence un peu chelou. Et ça les dérange pas, ils savent que je suis carré. Mon père il me disait que son daron il était super tatoué, du coup ça l'étonnait pas. Et ma daronne elle me dit je suis comme je suis. C'est comme ça. Elle va pas m'aimer autrement. Parce que tout le monde croit que c'est Zarmaway, rocker des années 80. Non. Il y a des Tahitiens qui font ça avec un marteau et un petit pic et de l'encre de Chine depuis, ça fait déjà 2000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu regardes tous les reportages aux States, là, les Chicanos, là, ils étaient déjà bien tatoués, frère. Ils s'en battent les couilles de savoir que tous les rappeurs, etc., qui sont pas des bandits, ils sont tatoués.
c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Les modes évoluent et se déplacent, on va dire, dans les milieux. Si la mode devient d'être tatouée, je les enlèverai au laser, c'est rien ça. Nique la mode. On est des criminels de la mode, pas des fashion victimes. Il y a des gens qui se réveillent le lendemain matin, ils ont un accident de voiture, ils ont perdu un œil, ils ont coupé une oreille. Là, c'est moi qui prends la décision de le faire. Ça me regarde. Ce qui est pas content, je l'emmerde. Ça fait pas de moi une mauvaise personne ou quoi. Et... je sais, comme ça, je suis qui je suis. Et tu vas l'assumer en me voyant direct. Pas après, pas plus tard. Maintenant, je viens du 9-2. Ma vie, c'est l'amour. J'ai grandi dans le 5-9. Et je m'aime, self-love, je m'aime, voilà. Quand tu t'assumes, tu portes bien les trucs, ça passe. Les gens, ils font abstraction de ça. Et j'ai décidé d'être un homme de couleur. Comme ça, je suis dans la peau de mes frères et sœurs. Comme ça, moi aussi, je peux ressentir le racisme, en fait, vis-à-vis, tu vois. Franchement, juste le fait que je sois noir et que ce soit un peu comme mes FaceTats indélébiles et qu'on le voit en frontal, pour moi, c'est un peu la même chose. Là, c'est mes trophées de guerre à moi que personne ne pourra me prendre. On va m'enterrer avec. Tu vois, il y a des choses qu'on peut te prendre. Mais mes rêves, mes souvenirs et mes tatouages, on ne les prendra pas. Moi, j'espère que dans 10 ou 15 ans, tout le monde pourra s'habiller comme il veut, se tatouer où il veut, fumer et boire ce qu'il veut, fréquenter le sexe qu'il veut, la nationalité, l'origine qu'il veut. C'est tout ce que je veux, moi. C'est pas axé que sur le tatouage, tu vois. Je suis pour la liberté, sinon j'aurais pas fait ça, tu vois. C'est juste question d'être libre après, que ce soit dans n'importe quel domaine. Moi, ça ne me dérangerait pas que mon banquier, il me fasse une ristourne de 2000 balles. Alors s'il a un tatouage, t'as dit, il m'a arrangé, je m'en bats les couilles. C'est un gamin qui fait un dessin et qui le montre et qui dit « Ah, il est moche mon dessin en fait. » Pourquoi on lui dise « Mais non, il est beau ton... il est beau ce dessin. » Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr. Non. Personne n'a vu ce que je voulais dire. Tu vois ce que tu veux dire? Non, tu vois pas.